guitare classique aujourd'hui pour moi avec Frédéric Maggio. On y va ? Bonjour. Bonjour. Je vous avais appelé pour un cours de guitare ? Voilà, exactement. Frédéric, c'est ça ? C'est ça. Rachel. Voilà, Frédéric, enchanté. De même. Ben voilà, je te présente ta guitare. Ah super, ok. Ben on commence par où ? Ben on va s'installer dans ma salle. D'accord, ça roule. Voilà, ben tu peux t'installer. D'accord. T'as tout. Ah oui. La première chose qu'on apprend en guitare classique, c'est la position. Donc tu as besoin d'un repose-pied que tu vas positionner comme ça en mettant le pied gauche. Et tu vas poser en fait l'éclisse. Donc ça, cette partie de la guitare là, c'est l'éclisse entre tes jambes comme ça. Et tu vas poser ton avant-bras comme ceci. Alors, il faut être bien équilibré pour avoir l'éclisse, la petite bosse, là, en fait, juste au niveau de ton menton. Ah, okay, d'accord. Il ne faut pas être comme ça, ni comme ça. Donc, il faut essayer d'être équilibré. D'accord. Okay. Et toujours le pied... Enfin, moi, de toute façon, je suis droitière, mais toujours... Oui, oui, oui. Alors, on met, en général, on fait tester tout le monde à droite. D'accord. Parce que tu peux avoir des gauchers qui sont très à l'aise à droite. Et c'est quand même plus simple pour lui. La deuxième chose qu'on apprend, c'est l'attaque. Comment on attaque sur la corde. Donc ton pouce, tu le places là, sur la dernière corde. Et tu vas venir avec ton index, tu vas venir ici appuyer comme ceci. Là. Voilà, comme ça. Et là, après, tu essayes de faire une alternance, index, majeur. Mais sur la même corde, du coup. Sur la même corde, ouais, au début, tu fais sur la même corde. Voilà, très bien. D'accord. Voilà, ok. Voilà, la logique, en fait, des arpèges, souvent, c'est le pouce qui s'occupe des trois cordes graves. Ah. D'accord. Mmh. Et index majeur annulaire qui s'occupe des trois cordes aiguës. Donc, mi, si, sol, ré, la, mi. Donc là, tu peux faire le pouce, et index majeur annulaire, et tu répètes. Alors, tu as une très bonne position, une très belle position, parce que d'habitude, les enfants ont une crispation un peu sur le poignet et ils collent. Ça s'appelle la table de la guitare, la table d'harmonie. Et ils collent leur poignet pour avoir une stabilité. Et en fait, c'est tout le contraire, faut réussir. La stabilité, elle est là. D'accord. Et le poignet, il est arrondi. Parce que et là, il est décontracté. Après, on apprend la main gauche. Normalement, la main gauche, il ne faut pas d'ongle. Hein. Désolé. Donc, il faut placer ton doigt toujours près des barrettes. Mm-hmm. Tu vois, la barrette, c'est là, à chaque fois, c'est ce qui délimite les cases. Mm-hmm. Chaque case, c'est un demi-ton. Mm-hmm. Donc, tu vas monter la gamme. Donc, ta première corde, c'est mi. Après, tu auras fa, fa dièse, sol dièse, la dièse, si, do. Mm-hmm. Ok. C'est comme... c'est beaucoup moins visuel... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et à chaque fois, le plus proche de la barre. Exactement. Mais ouais. Normalement, il faut réussir à faire cet exercice-là qui est un peu dur. Donc, tu pars sur la première case et tu fais... Comme l'araignée. Et après, tu peux remonter... Ça, c'est des petits exercices. Ouais. C'est comme au piano quand on fait... Exactement. 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 C'était un peu... Là, ça, on appelle ça les chromatismes. C'est pas encore des gammes. Les gammes, c'est... Et si vous ne connaissez pas les notes en français, je vous invite à regarder cette vidéo ci-dessus qui vous indique les notes en français comparées aux notes en anglais. Donc, le pouce, il a une place vraiment précise. Il faut qu'il soit derrière la deuxième case, là, ici, et un peu caché, okay. Comme ça, pour que la main soit centrée et que tu puisses, tu vois, à chaque fois, placer tes doigts. Parce qu'au début, en classique, tu vas prendre des mélodies, donc tu vas... Voilà,
la mélodie, c'est plus ce que tu vas chanter dans une chanson. Mmh. Donc en classique, on va plus au début, le début de ton apprentissage, tu vas apprendre ces mélodies-là. Mmh. Alors qu'en accompagnement, tu vas de suite devoir appuyer sur trois cordes en même temps et déplacer. En général, dans des chansons, tu peux avoir des chansons très faciles, comme, je sais pas moi, le lion est mort ce soir, ces trois accords qui se répètent. C'est toujours la même chose. Mais la position est difficile et le changement de position pour aller vers un autre accord, c'est aussi difficile. Alors que au clair de la lune, c'est très facile, quoi. Voilà, tu vois, tu restes sur la même position. Ah ouais. Okay. Après, tu as... J'ai mis en avant une mélodie, puis j'ai fait un accompagnement en même temps et bon, tout ça, ça... Et c'est quoi, quelle serait une astuce, quelqu'un qui veut bien apprendre la guitare, peut-être apprendre rapidement, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner? Alors, ben, c'est plus tu passes de temps sur ton instrument et plus ça va avancer en fait. Il n'y a pas vraiment de secret. Le secret, c'est le temps que tu passes sur ton instrument. C'est... Comme l'apprentissage d'une langue. Oui, exactement, ouais, exactement. Prenant des cours, toi aussi, tu arrives justement à corriger certaines choses, voilà, que tu vois, justement peut-être l'emplacement du poignet. Oui, oui c'est ce que je conseille. Ou venir couper les ongles s'ils sont trop longs. Voilà, j'ai le matos. Je ne t'ai pas proposé. Mais oui, je conseille aussi d'aller voir un prof. Ouais, il existe beaucoup d'applications maintenant pour apprendre la guitare très vite. Moi je suis pas convaincu parce que tu peux pas corriger, tu peux pas être corrigé, tu vas prendre des défauts et si à un moment donné tu vas voir un prof et que tu as tous ces défauts, ça va être très compliqué en fait aussi de les corriger. Ouais, il y a des gens qui voudraient des personnes qui seraient intéressées à apprendre avec toi. On peut mettre toutes tes informations. Si oui, tu oui, 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 oui. C'est quoi ton coin, toi, ta région? Nous on est sur Nîmes. Mmh. On est sur Nîmes. Et donc ça fait donc c'est mon père qui a fondé l'école en 7 ans, ça sera la 45e rentrée. Waouh. Parce que c'était pas évident. Par Zoom aussi ou... Oui, on a du coup on s'est adapté. Gens seraient intéressés de prendre des cours de guitare en français avec toi. Oui, c'est possible. Ils pourraient le faire ici s'ils sont sur place, en stage s'ils viennent visiter. Exactement. Ou à distance. Ou à distance. Ben, merci beaucoup, merci Frédéric, à toi. Pour un super premier cours. Et toutes ces informations figurent dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez le contacter pour votre cours de guitare. Voilà, merci les amis. À bientôt.